devait aller au quartier Nino. Comment l'agresser? Elle l'a agressé comment? Elle a encore fait quoi? Soit disant qu'elle a volé une chemise. Elle montait. Elle vole? Oui, hey. Non, loin de là, c'est qu'elle porte les habits, mais voler encore. Une chemise de marque, 10 000. Oui. Elle est là-bas, oh, voleuse, oh, voleuse. Mais elle a la honte. Elle m'a souvent dit que ta copine vole. Hey. Pourquoi c'est qu'elle porte les habits? C'est pas qu'elle vole, c'est pas qu'elle vole. Loin de là, faut m'imaginer qu'elle vole. Cela est trop facile. Quand on est même au monde, c'est vous qui allez écarter. Ah, c'est sa vie, elle fait. Continue à prêter comme tu as l'habitude de prêter là. Mais voler, c'est une autre chose. C'est autre chose, mais ah, comment faut comment la supporter? C'est une voleuse. Je vais lui parler, frère, il faut lui parler. Oui, c'est bon. C'est quand même ma copine. Eh ben, il faut avoir peur. Ce sont les grands bandits. En tout cas, on les connaît. Ça va, laisse. Non, fallait pas dire. On est ici à Salam. Tais-toi, on ne parle pas. Nous sommes ici au quartier à Salam. Par contre, tiens ma copine, tiens ma personne. Je te prends un simple habit, Nimo. Tu vas dire à tout le monde. Mais c'est un simple habit. Avec tes perruques, les joues et n'importe quoi, le jour que vous voulez sortir là. Tiens, mais j'ai demandé là. Est-ce qu'il y a un contact sur le quartier? C'est comme ça, ouais. Est-ce que tu es comme ça? Donc, soit les fous qui les ont dit ça, Nimo. Juste il y a une seule personne. L'autre, tu connais qui? L'autre, tu connais la noyée. L'autre, tu connais ici, c'est qui habite ici derrière? Non, je crois que c'est les amis. Donc, petite perruque, petite perruque, petit habit. Non, il faut souvent arrêter ça. Toi aussi, entre nous, tu veux partir dans la soirée, ton petit ami t'a invité. Mais c'est parce que je voulais pas partir ce que j'avais dans ma valise. Ça, tu as vu que ma passe là, ma vie, le bon. Mais est-ce que tu es obligé de dire à tout le quartier? Est-ce que tout le quartier, c'est moi qui sais que c'est derrière, non? C'est qui? C'est ma copine, c'est ma meilleure copine. Non, je t'ai rien fait. Tu as fait quoi? Dis-moi merci. Ok, mais devine, non, oui. Tes places, wow. Bonsoir la mère. Oui, bonsoir. La mère, je suis venue te parler parce que je suis vraiment très fâchée contre Nimo. Toi-même, tu sais que nous sommes les copines. Mm-hmm. Je lui ai prêté certains petits trucs. Elle est partie raconter à tout le quartier. Maintenant, quand je passe par toi, on me pointe du doigt que Vega prête des habits. J'ai même compris qu'en venant, comme ils étaient en train de raconter à ses amis, qu'on m'a tapé l'autre jour au Carrefour Milan parce que j'ai volé une chemise de 10 000 à la boutique. La mère, est-ce que c'est normal? Je suis en train de demander qu'elle. Mais vous avez suivi parler là-dehors? Oui, la mère, mais j'ai compris que vous étiez en train de parler, ma fille. Les habits dont tu te plains là, tu as prêté les habits? Oui, la mère. Tu as prêté sa perruque? Tu as prêté sa robe? Oui, la mère. Tu as prêté ses ongles? Non, je n'ai pas prêté ses ongles. Ah, les ongles, c'est pour toi? Oui. Et je dois laisser maintenant mourir pour commencer à m'occuper de vos problèmes des ongles et perruques? Non, la mère, je n'ai pas dit que tu t'occupes simplement. Qu'est-ce que je dois donc faire? Ça me concerne à quoi? C'est que je voulais que tu dises à ta fille que je n'aime pas le sabotage sur mon nom. Mais voici, je suis à la maison, ma mère ne fait que me gronder depuis hier. À cause du racontage. Mais c'est pas mon problème. Ça vous concerne. Vous êtes les filles entre vous, non? Oui, la mère. Vous prêtez vos choses. Est-ce que je suis mais concernée là-dedans? Mais quand je l'aide, je pas. Quand je parle là, tu dégages. Ok, la mère. Quand il vient là, vous allez voir ce qu'elle lui fait. Il faut la tuer. Il faut la tuer. Faut soit aller loin de vos sorcelleries là. Ma chance. Oh. Vraiment. Ta perruque. Les ongles. Vous m'avez vu avec l'autre.